est-ce que yon chrétien capable jouer bolette? Yon gros salutation pour vous qui ensemble avec nous sous canal là cap étudier parole bon Dieu. Alors semaine ça nous rentrer avec une série de réponses de une série de questions amis nous ont posé nous demander pour voyez questions yo et puis n'a pas réponse n'a pas réponse n'a pas répondre question yo par série en sept questions et série ça nous va répondre sept questions amis nous yo sous canal là yo posé nous. Maintenant question aujourd'hui c'est est-ce que un chrétien capable de jouer bolette? Est-ce qu'un chrétien capable de jouer hasard? Vous avez qui dit ah bon m'a joué après ça m'a porté 10 mois l'église là. Ah m'a joué les miens m'a payé des monde mais qui ça la Bible dit sur bagage ça yo? Qui ça la Bible dit sur question jouer bolette, jouer hasard? La Bible pas dit rien. La Bible pas un texte directement qui dit ou pas doit jouer ou doit jouer. Mais la Bible bien principe ça fait pas un texte qui dit directement ou pas doit jouer ou bien jouer c'est parce que lorsque la Bible t'est écrit bagay ça pour côté exister mais nous connaissons la Bible li la son livre qui l'a pour tout temps son livre qui touchait tout aspect maintenant la Bible bien texte qui fait nous comprendre comment nous devons agir, comment nous devons comporter lorsque bagay ça arrive devant nous, lorsque nous arrivons devant une bolette, par exemple, en tant que chrétien, comment nous devons comporter. Maintenant, moi, ça tout à l'heure, dans toute règle, dans tout ça qui existait, il y a une règle générale. Il y a une règle générale. Même j'ai une question pantalon, moi, t'ai expliqué ça. Moi, j'ai une vidéo sur le canal là qui explique ça. Est-ce qu'un chrétien et une fille chrétienne ne doit mettre pantalon sous pour côté garder vidéo ça sur canal là si je ne lien m'a mettre le petit i en pour al fond pour pied al garder maintenant la Bible gen bagay qui c'est principe général règle générale restez avec nous dans vidéo jusqu'à ce que vidéo a fini ou comprendre bien ça n'a dit là alors pas oublier canal ça c'est côté nous étudier la Bible. Si vous remettez le travail qu'a fait là, mettez un like, partagez, faites un commentaire, inscrivez ou même si vous êtes inscrit et posez une question pour là. Vous pouvez me connaître dans cette réponse qui va aller et après cette série de réponses, peut-être une question pour là capable de répondre. Maintenant, qui ça la Bible dit? Nous parlons de règles générales. On a regardé comment la Bible dit que vous avez de l'argent. Parce que, ou, pa, ni moi ni vous, nous n'avons pas besoin de nous mentir. Ou pas jouer bolette, bon, moi pas jouer, ok, ou pas moun kap jouer bolette là, ou pas jouer bolette pour ka aider moun, ou pas jouer bolette pour ka, comme si paye dîme bien, non, et bah, vous soyez jouer bolette, ou qu'on est dans conscience ou jouer bolette, c'est pour gagner l'argent, c'est pour gagner l'argent, on besoin l'argent pour fonctionner, et bah, pour fonctionner seulement, on besoin pile l'argent, parce que tout rêve vous c'est lever yon million, bah, oui, mais maintenant, qui ça la Bible dit? Comment la Bible dit yon moun doit faire l'argent? En nous lit premier verset nous dans Genèse 3 verset 9 n'a dit vidéo ça va pas trop longue yon façon pour capable saisir ça qui est essentiel là. Genèse 3 verset 19 excusez-moi Genèse 3 verset 19. En nous lit l'ensemble pour la Bible pour capable lire ensemble avec moi Genèse 3 verset 19. OK? Il dit c'est à la sueur de son visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. La Bible dit, pour un monde manger, faut travailler. Pour un monde gagner l'argent, faut travailler. C'est ça qui est le général. La Bible établit travail. Maintenant, est-ce que jeu hasard là, est-ce que bolette là, c'est travail lié ou pas dire travail parce que ou pas aucune activité vraie ou pas aucune activité si on est rentré dans banque bolette là, dit mettez tel boule vous et puis ou al coucher ou attendre. Maintenant, la Bible dit c'est travail, nous devons travailler pour nous capables de gagner l'argent. Maintenant, nous sortons ça après bon Dieu fin créé Adam et Eve. Même avant le péché, c'est travail, monsieur Damio. Bon Dieu, t'es metté pour le travail. Parce que bon Dieu connaît, travail fait bien pour quoi? Ou absent ou bien. Lorsque vous réalisez son besoin réaliser, laissez travail au travail, ou senti ou confortable, ou senti ou bien. Maintenant, moi, je sors de ça. Pour manger, il faut travailler.
Ouais, ça, la Bible dit le même. La Bible dit, yon moun ki pa travay ou pa ta dwe manje. An nou li sa ansanm avek mwen nan 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Ouve bibou pou ka li teks ansanm avek mwen. 2 Thessaloniciens 3, 2 Thessaloniciens 3, verset 10. An nou li l'ansanm. Li di, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Okay? Ça, c'est apôtre Paul qui est son lettre à chrétien Thessalonique. Bon, apôtre l'a dit, si yon moun pas travail ou pas de manger. Maintenant, bon, pose une question. M'a pose même question encore. Est-ce que vous considérez bon lettre là tant qu'on travaille? Sous ces chrétiens, on va suivre la Bible, pas vrai? On va faire ça, la Bible, mandé. Bon, le texte nous capable encore pour montrer que la Bible conseille pour faire bagaille peu à peu. On t'y crasse, on t'y crasse. Je dis alors qu'à faire 50 reais ou bien 50 gouttes ou bien 50 dollars, bah, on est dans qui peut ou hier, ou contenter avec. Demain, si Dieu vous fait 50 encore, ou contenter avec. Ou faire 25, ou contenter, ou sembler, petit pas, pour faire affaire, tant ou à jouer et vous coucher, demain si Dieu veut sortir de la banque ou millionnaire, ou bon million sous compte, et la Bible, point d'interrogation sous comme ça, il y a vraiment bon point d'interrogation sous comme ça. Nous lit, et ça me sort tout là, dans Proverbe 13, verset 11, à nous regarder qui ça la Bible dit, comment la Bible dit, moi, ensemble avec vous, nous devons construire ça, nous gagner, comment nous devons construire. Et ça nous gagne, les n'a travail comment pour nous contenter nous comment la Bible dit nous devons contenter nous Proverbe qui demande encore 13 verset 11 Proverbe 13 verset 11 ouvrez Bible vous capable ensemble avec moi Proverbe 13 verset 11 il dit comme ça la richesse mal acquise diminue mais diminue OK qui t'aimer lire la richesse mal acquise diminue mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. OK? Ou même qui travaille, fait ses économies, comprendre, faire calcul ou faire planification 2021, fait commencer là, fait planification comment on va gérer l'argent, comment on va gérer vie, comment on va gérer une série de bagages pour qu'a faire bon Dieu plaisir, bon Dieu prend plaisir dans ça parce que ça fait nous connaître bon Dieu prend plaisir dans yo, nous joignons dans la Bible. La Bible dit nous mais comment nous devons fonctionner. Maintenant, est-ce que nous qu'a considérer bolette là tant pour on injustice bon on a dit oui imaginons bien mon monde qui connaît pas manger yo pas voyer ti moun l'école pour aller bon yo pas bon monde qui gon seulement comme machine dans l'aime des petits maman chaque matin faut bon mon 10 gouttes pour me payer machine pour aller l'école OK gen moun nan ki gen comme machine seulement li pas voyer ti moun dans l'école pour la jouer OK pour la jouer ça son problème li son injustice li vous imaginez gen 10 000 moun qui a perdu tout ça pour même gagner ça c'est injustice li pas vient de Dieu bon Dieu pas marché à bagarre comme ça bon l'autre texte en dernier texte dans mais nous lit ensemble c'est 1 Timothée 6 verset 9 rivé dans verset 10 pour ça qui rivé lorsqu'on monde comme si ou quitter bon Dieu pour mettre confiance ou elle mettre confiance dans l'argent donc capable dit ça parce que si bon Dieu dit la poisson ou quoi ou même c'est bolette là pour jouer ou quoi c'est hasard pour jouer et pour être très confiant que vous allez gagner ou mettre confiance sur hasard ou pas mettre confiance sur bon Dieu pas vrai parce que bon Dieu pas dans ses collés à genre d'activité ça moi ça dit on a appelé 1 Timothée 6 verset 9 puis dans verset 10 on va voir ça qui arrive mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. OK? Texte ça, on monde qui veut enrichir, ça dit ou dormir c'est riche ou regardez ou va faire n'importe bagaille pour gagner l'argent, ou va faire n'importe bagaille pour gagner l'argent. Ça va veut dire ou pas gagner l'argent. Ou Salomon t'est chargé l'argent. OK, David t'a chargé l'argent. Il y a plus de monde dans la Bible qui t'a chargé l'argent. Mais il fait l'argent, Jean nous sortit dans le proverbe là, peu à peu. C'est pas il dormi pauvre demain matin au lever riche. Non, la Bible
pas fonctionner comme ça. Sauf les jeux bolette, ça c'est où, mais la Bible pas conseillé, on va bien un texte qui dit la Bible dit à jouer bolette. Et m'appé le verset 10 là, nous toujours dans 1 Timothée 6 verset 10. Verset 10, il dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. OK, l'amour de l'argent, la Bible pas un problème pour monde gagner l'argent. Maintenant, ou pas gagner l'amour pour l'argent, c'est l'amour pour l'argent qui est problème là. Et en pile fois ou gen 5 gouttes bah vrai ou gen 10 gouttes temps pour chercher un bagage pour faire pour multiplier les gens la Bible dit pour faire le travail pour gain ou aller jouer bolette pendant ce temps ou rendant comme si ou maintenant l'espoir ou aller au million. Non, ça la Bible pas dans ses collés ensemble avec lui. La Bible dans ses collés à l'argent yon étape yon parti yon bon parole ça gros nèg papa yon ti crasse qui vinn bon gros l'argent ou a besoin et ou a fait justement et bon Dieu a content. L'important pour nous gain l'argent dans poche nous, Jésus dans cœur nous, mais li très dangereux pour nous gain Jésus dans poche nous et l'argent dans cœur nous. Songez, ou doit gain l'argent dans poche nous, Jésus dans cœur, mais non l'argent dans cœur, Jésus dans poche. Si vous t'aimez cette vidéo ça, mettez un like, partagez, sous vos côtés inscrit ou même inscrit, activez petite cloche là et rete branché à regarder l'autre vidéo qui va venir après numéro 2 dans série ça, parce que il y a en pile bagaille pour apprendre. Que bon Dieu bénisse.